matin. Il est actuellement 5h30 du matin. On est parti à 3h de Montréal du matin. C'est notre premier stop en Ontario pour prendre le petit déjeuner, prendre un petit break de route. Puis à date, la vue est plutôt belle. La route est plutôt nice vu qu'il n'y a pas de trafic. Puis on tient le coup. On est un peu fatigué, mais ça vaut la peine. Puis notre premier stop, ça va être le parc national de la Bruce Peninsula qui donne sur un lac turquoise avec des gros sentiers sur de la roche et tout, fait que ça a l'air d'être super beau, fait que c'est là qu'on s'en va, fait qu'on mange puis on est reparti. Aujourd'hui, on vient de finir notre première journée en Ontario. Le premier stop, comme je vous l'avais dit, c'était la Bruce Peninsula. On avait fait 9 heures de route pour faire notre premier stop dans l'un des endroits les plus connus de la péninsule, qui était une cave grotto, qu'ils appellent. Sauf qu'en arrivant là-bas, on s'est rendu compte qu'il fallait réserver pour pouvoir avoir accès au stationnement. Puis nous, on pensait qu'avec nos passes Discover de Parc Canada, on n'avait comme pas besoin de réserver, puis finalement, ben, il fallait réserver, puis il faut payer en plus. Fait que vu qu'on a été très surpris, puis un peu déçus de devoir payer en plus alors qu'on a déjà pris le pass Parc Canada, on a été faire autre chose. On a été au Singing Beach Sand, qui est une autre plage plutôt belle, pas trop touristique, du fait que tout le monde va à l'autre point. Fait que c'était quand même beau. Il y avait beaucoup de vent, fait qu'on n'est pas resté très longtemps, mais c'était quand même très beau à voir. Puis ensuite, on a décidé d'aller faire une mini randonnée proche du centre des visiteurs. Ça a pris à peu près une heure et demie. Puis on a eu des super points de vue, puis c'était vraiment beau, l'eau était turquoise, ça nous a comme bien remis notre petit 9 heures de route. Puis là, ce soir, on s'est trouvé une place où loger avec notre petit van, qui est pas loin justement de Parc National Bruce Peninsula. Puis juste faire un petit tour ici. On a Gab qui prépare à manger. Fait que c'est ici qu'on va se stationner. C'est un stationnement qui est gratuit le soir, mais qui est payant de 9h du matin à 6h en journée, qui est à Tobermory. Désolée pour mon accent, mais c'est la ville où on est en ce moment. Puis là, vous avez ma petite douche un peu boboche que je vais prendre dans pas longtemps. On est quand même dans un endroit assez calme, fait qu'on espère que ça va rester calme pour la nuit. Puis ça va être notre première nuit en van, fait qu'on est assez excités. On a hâte de voir ce que ça va donner, la température est plutôt clémente pour le moment. Puis on va relaxer, puis demain est une autre journée, une autre aventure qui s'en vient. Hello! On s'en va où aujourd'hui? On s'en va à Honey Harbour! Ouais! Yeah! Notre deuxième journée de road trip dans l'Ontario. C'était toute une journée,
Ça s'est vraiment pas passé comme ce qui était prévu. Ça a été comme un enchaînement de bad luck sur bad luck sur bad luck. Mais ça s'est super bien fini, fait que c'est quand même un point positif. Mais pour vous raconter un peu la journée, et c'est pour ça que j'avais pas eu beaucoup de contenu aujourd'hui dans la vidéo, ça a commencé avec un torticolis que j'ai eu au niveau du cou, parce que je me suis certainement endormie dans une mauvaise position. Fait que toute la matinée, j'avais de la misère à bouger mon cou, puis ça me faisait un petit peu mal. Ensuite, on était supposé aller à Oni Harbour. On y a été, c'était super beau. La seule affaire, c'est qu'on est arrivé une demi-heure trop tard pour prendre le day trip. Dans le fond, c'est un petit bateau qui vous emmène visiter toutes les petites îles environnantes, puis c'est super beau, puis c'est super le fun à faire, mais on est arrivé trop tard, fait qu'on a fait 3 heures de route pour rien. On est resté pas mal une heure pour manger, se poser, puis décider ce qu'on allait faire. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait faire la route qui nous emmenait à notre prochain point de demain, qui est le parc provincial de Killarney. Puis on a commencé à conduire, on s'est dit qu'on allait trouver un stop pour dormir. Puis on a à peu près passé 2 heures à essayer de trouver un spot sur la route où mettre notre van, sauf que tous les spots qu'on trouvait, ça disait que c'était interdit de camper de entre 9h le soir à 5h le lendemain matin. Fait qu'on a eu déception sur déception sur déception sur déception. On a même été voir une sorte de boutique pour leur demander si c'était possible de passer la nuit, puis ils nous ont dit que c'était 10$ en tout cas. C'était comme échec sur échec sur échec, puis finalement, on s'est ramassé au French River, qui était quand même assez beau. Il y a un pont qui est magnifique, que vous avez vu dans les petites vidéos précédentes. Puis c'était vraiment cool. La seule affaire, c'est qu'il y avait des signaux partout disant que c'était un endroit rempli de serpents. Puis moi, ben, c'est ma plus grande phobie. Fait que je peux vous dire que j'avais un petit peu la chienne pendant tout le moment où on marchait. Fait que c'était le fun, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur, mais j'avais mon chum pour être avec moi puis pour me soutenir. Mais on n'en a pas vu, une chance. On a vu des petites souris, mais pas de serpents. Fait que ça a quand même bien été. Puis ça a super bien clôturé la journée. Puis en s'en venant justement sur le chemin pour aller au parc de demain, on a trouvé un super beau spot. Puis on est tout seul, on est en plein de la nature. On a installé notre van. Le ciel est juste magnifique. Il est full bleu, rose, un peu violet. Fait que c'est vraiment nice. Là, je me suis préparée de quoi faire un feu. Pas mal notre défi de la soirée, de s'organiser un petit feu pour attirer tous les moustiques. Parce qu'on s'est fait littéralement bouffé par les moustiques. Moi, j'ai l'impression d'avoir Tchernobyl sur le corps en ce moment. Puis on s'est fait un petit spot ici pour manger tranquillement puis finir la soirée en amoureux. Et demain, on fait notre première plus grosse randonnée du trip. Je vous en dis pas plus, mais honnêtement, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment le fun. Puis il y a un point de vue qui est extraordinaire. Quand même excité de voir ce qui va se passer. Mais on espère que ce sera une meilleure journée qu'aujourd'hui. Marche, on est enfin arrivé sur le top du crack Killarney et la vue est juste incroyable. Regardez-moi ça, ça valait amplement la peine. Le niveau, ça a été difficile du fait qu'il faut grimper sur la roche pendant à peu près 45 minutes, mais ça se fait super bien. Puis honnêtement, la vue vaut tellement la peine que si vous avez des bonnes chaussures, honnêtement, lancez-vous. Puis c'est 15,50 pour s'enregistrer par voiture. Fait que si vous êtes plusieurs, honnêtement, ça vaut encore vraiment la peine.
en ce moment près de Blind River, qui est à peu près à 2 heures de Sudbury. Puis on s'est trouvé un petit spot super calme, vraiment tranquille, proche de l'eau pour dormir hier soir. Puis regardez, on a notre petite plage privée juste pour nous, ce qui est quand même pas pire et plutôt agréable. Fait que ce matin, on est parti faire un petit sentier pour voir où donnait notre petit chemin où on arrivait. Puis ça débouche sur une petite plage, puis c'est vraiment très cute. Puis Gab, hier soir, quand on est arrivé, il a eu la chienne de sa vie. Littéralement, non, moi j'avais pas peur. Parce que le chemin faisait vraiment très film d'horreur. Puis que, genre, il pensait que vu qu'il faisait noir, on était dans la forêt, fait qu'il avait vraiment peur. Puis c'était cute, c'était mignon. Mais je lui ai fait croire qu'il y avait un gars avec une tronçonneuse qui allait sortir. Puis c'était assez drôle. Puis aujourd'hui, on continue notre petit périple. On continue de prendre la route qui longe tous les lacs de l'Ontario au sud. Puis honnêtement, c'est une super belle route. Beaucoup de gens nous avaient dit en Ontario, la route est plate sur la transcanadienne, faites juste tracer. Puis nous, on a pris des petits détours, puis la route qu'on longe est super belle. Puis aujourd'hui, on va s'arrêter dans toutes les petites villes qu'on va trouver sur le chemin, proche de l'eau, pour visiter. Puis notre destination finale ce soir, c'est le lac supérieur. Fait que petite journée, assez relax, on va visiter, puis pourquoi pas éventuellement se baigner. Doesn't make it easy. The
together piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told me. Alors aujourd'hui, c'était toute une journée. C'est, je pense, de loin la journée qu'on a le plus apprécié, moi puis Gab, parce qu'on a eu un énorme coup de cœur pour l'endroit que nous avons visité. Et ça fait déjà 5 jours qu'on est en Ontario et qu'on a vu quand même pas mal de choses. Mais le parc provincial du lac supérieur, c'est définitivement un coup de cœur. C'est magnifique, la route qui longe, qui traverse le parc en fait, traverse plusieurs lacs. C'est un parc avec je ne sais combien de lacs, c'est magnifique. On a eu l'occasion d'aller louer un canot pour la journée. Ça nous a coûté à peu près 26$ pour louer le canot, ce qui est quand même assez intéressant. Puis en plus de ça, il fallait qu'on paye 13,75 pour une passe pour la journée pour être dans le parc. Fait qu'en tout, avec taxes, j'ai dû payer à peu près 45$, ce qui est vraiment pas si pire. Pour deux personnes, ça se fait super bien. Et non, pour vrai, comme on a commencé ce matin avec la baie de Alona, où on a dormi hier soir, qui était un point magnifique. Honnêtement, on commence à avoir des points où dormir la nuit qui sont juste incroyables. Puis ce point-là, ça a été... C'était fou. On a eu un coucher de soleil qui était superbe, puis qui était incroyable. Puis ce matin, on a commencé avec Catherine Cove, qui est une plage avec de l'eau cristalline, bleu. On voyait à travers l'eau, on voyait les roches, c'était super beau. Ensuite, on a roulé jusqu'au Visitor Center pour aller se renseigner sur la location des canots, sur les activités à faire. Puis c'est là qu'on a loué notre canot, puis qu'on a fait toute la patente pour passer la journée sur l'un des lacs avec un nom imprononçable, mais que je vais vous mettre en lien dans la vidéo. Et on finit ce soir avec les High Falls de Wawa, et c'est ici qu'on va passer la nuit, et c'est splendide, c'est incroyable encore une fois, puis on est super chanceux de pouvoir voyager en van, et ça fait que je vous souhaite une super belle soirée avec nous en cuisine, puis ensuite on va se coucher pour une autre belle journée demain. Matin! Hier, on a dormi dans un spot qui était trop féerique, qui était trop beau avec les chutes et tout ça. Puis on a passé une super belle soirée. Puis aujourd'hui, on s'en va à Terrace Bay pour aller voir d'autres chutes qui ont l'air d'être fou raides. Puis après, si on a le courage puis qu'on a le temps, on s'en va au Pimé Canyon. Fait que petite journée avec un petit peu de route. Puis à date, ça se passe plutôt bien. On a une belle expérience en van. Bon, lui il est full blasé, mais, hey. Mais ça se passe très bien, on se supporte mutuellement. Puis... Je le supporte, toi. Ouais, il me supporte. Enfin, il supporte les moustiques surtout. Ça fait depuis 5 jours qu'on développe des skills pour tuer tous les moustiques qu'on croise dans l'auto. Ça devient un peu un running gag à force, mais l'Ontario c'est la province des moustiques, c'est sûr.
mis à part ça, comme je vous dis, ça se passe super bien. Puis on n'a pas vraiment de points qu'on voudrait améliorer, mis à part le frigo qu'il faut qu'on branche puis qu'on débranche sans cesse. Fait qu'on est en train de réfléchir à une petite solution pour améliorer ça. Mais en termes de température, on dort super bien le soir. La nourriture, on n'a aucun problème non plus. Puis on arrive à prendre des douches de 1 minute 30 chrono. Puis ça, c'est quand il n'y a personne qui arrive. Parce que hier, j'ai eu la chance, pendant que j'étais à poil dehors, de prendre ma douche, d'avoir une voiture qui est arrivée. Fait que Gab m'a protégée avec une grosse serviette pour pas qu'on me voie toute nuit. Ce qui était assez drôle. Puis bien sûr, il fallait que ça m'arrive à moi. Une grosse aventure qui continue. Puis il nous reste 2 ou 3 jours en Ontario avant d'aller à Manitoba. Puis on finit le tout en beauté avec le Thunder Bay qui a l'air d'être un endroit vraiment super beau. Donc on a bien hâte de découvrir tout ça. De l'intérieur du van puisqu'il pleut dehors, fait que je peux pas trop me mettre à l'extérieur pour vous parler, mais nous sommes rendus à Thunder Bay qui est pratiquement tout à l'ouest de l'Ontario, fait qu'il nous reste une journée de conduite avant d'arriver au Manitoba. Mais avant ça, je vais vous parler de la journée d'aujourd'hui et je vais vous dire c'est quoi nos plans pour demain qui va être notre vraie dernière journée d'activité en Ontario avant de conduire directement pour Winnipeg. Donc ce matin, on s'est réveillé à Wawa. On a été voir le lac qui était splendide avec un super beau lever de soleil. C'était vraiment beau à voir. Ensuite, on a conduit directement pour Terrace Bay qui a été une énorme surprise. C'était super beau et vraiment cute. Vous avez les Aguas Sabon Waterfall qui sont là-bas, puis qui sont super belles. Puis dans le fond, moi je vous conseille d'aller vous parquer à la plage de Terrace Bay pour faire une petite randonnée de 2 km qui vous emmène ensuite aux chutes d'eau de Aguas Sabon. Puis ça vaut vraiment la peine, c'est une petite randonnée qui se fait super bien.
Puis vous avez aussi l'occasion d'aller vous parquer directement en haut des chutes, puis de le faire aussi de là-haut. Mais je trouve que la randonnée valait vraiment la peine. Puis vous avez un petit pont que vous traversez qui vous donne accès sur un autre point de vue qui est quand même assez sympa. Fait que ça, c'était notre première activité de la journée. Ensuite, on a continué à conduire pour aller au Eagle Canyon et au Wimmey Canyon. Puis au premier canyon, qui est le Eagle, on a fait l'un des plus grands ponts suspendus de l'Ontario. C'était une super belle activité, puis c'était assez impressionnant. Je vous avoue que j'ai pas peur des hauteurs en règle générale, mais j'avais un petit peu la chienne sur ce coup-là parce que c'était assez haut, puis le pont bougeait un petit peu. Même si c'était une super belle expérience, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Il fallait payer 20$ par personne pour avoir accès à un pont suspendu au-dessus d'un canyon pour juste marcher. Fait que c'était juste ça l'activité. Fait que même si l'expérience en valait la peine, puis que c'était quand même très cool à faire, bah, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher quand même pour ce que c'était. Puis pour ceux qui le veulent, vous avez l'occasion de faire une longue zipline dans le canyon. Puis il faut payer 20$ pour marcher, puis 60$ en plus pour faire la zipline. Fait que c'est sûr que comparé à Tremblant, c'est pas cher. Mais en tout cas, juste pour marcher sur un pont, 20$, je trouve ça un peu excessif. Mais c'est quand même une super belle expérience à faire, fait que je vous conseille de le faire pareil. Et ensuite, on a fini par aller voir le Wimmey Canyon. Puis ça, c'était incroyable. Dans le fond, c'est un canyon qui s'étend sur plus de 1000 km. Qui va du nord du Canada, fait que du nord de l'Ontario jusqu'au Wimmey Canyon qu'on a vu tantôt. Puis ça a été fait naturellement par la fonte des glaces et c'est incroyable. On se croirait vraiment dans le Grand Canyon des États-Unis, mais au Canada. Puis vous avez des rapaces un peu partout, fait que vous les voyez chasser, vous entendez le bruit, puis ça résonne. C'est une super belle expérience naturelle à voir puis à faire. Puis on a été super, super émus puis surpris de la beauté de cet environnement-là qui est situé au Canada. Fait que c'est un petit détour à faire qui vaut vraiment la peine puis qui était incroyable, super beau. Puis ensuite, on s'est dirigé vers Thunder Bay pour aller manger puis se trouver un petit spot avant la tempête de ce soir, parce que ce soir, ils annoncent orage et pluie. Puis demain matin, ils annoncent quand même super beau. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller grimper. Il y a des spots autour de Thunder Bay pour faire de l'escalade, il y en a vraiment énormément. Puis quand on est arrivé à notre spot pour dormir, on a croisé un couple de Québécois qui nous ont donné un petit livre pour feuilleter et trouver une place où aller grimper en moulinette. Puis finalement, on est arrivé à la place où il faut être pour grimper, fait que c'est parfait pour nous. Donc demain matin, on va faire ça, on va passer la matinée à faire de l'escalade. Puis en après-midi, on va aller visiter un peu la ville, se poser dans un café, se détendre un petit peu aussi, puis voir qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, parce que c'est ça aussi la vie de van life, c'est qu'on a des projets sur internet qu'il faut travailler, puis vu qu'on n'a pas internet dans la van, ben, ça nous prend des petits cafés cute où se poser, puis demain c'est là que je vous emmène. Fait que nous on va se coucher, puis on se donne rendez-vous à demain. Bon, fait qu'on devait aller grimper le mont Godfrey pour aller faire de la moulinette. Puis on vient de passer 2 heures à marcher dans la forêt juste ici pour trouver la voie qui nous emmène en bas de la voie pour grimper. Fait qu'on est en sueur, on en a marre, on est désespéré parce qu'on n'a jamais trouvé le chemin pour aller là-bas. Puis en plus on se faisait attaquer par foule de maringouins. Fait qu'on est un peu piste là. Genre comme ça avait l'air d'être facile sur le livre qu'on nous avait prêté puis sur internet. Mais finalement, on n'a jamais trouvé. Fait qu'on a décidé d'aller à un autre spot d'escalade qui, lui, est en ville. Fait qu'un peu moins glamour. Puis on va s'essayer là-bas. Puis sinon, on va juste aller se poser dans un café. Puis finir la journée là-bas parce qu'on est un peu tanné. Puis c'est ça. La seule chose positive de cette petite randonnée de 2 heures à se faire attaquer par des maringouins, c'est que mon linge Arc'teryx, le pantalon que vous voyez ici, aucun moustique n'a réussi à passer à travers. Et pourtant, j'avais une vingtaine de moustiques sur moi. Fait que ça, c'était un énorme point positif. Même le manteau Arc'teryx que j'avais, ça m'a protégé à fond. Ils n'ont même pas réussi à passer à travers. Bon, c'est sûr que là, j'ai la face gauche de mon visage qui est attaquée par les moustiques, puis les mains aussi. Mais le restant de mon corps est correct. Fait qu'on espère que l'autre point va être mieux. Puis on va prendre un petit break pour se remettre de nos émotions, puis y aller ensuite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't
won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Bon, on fait qu'on vient de quitter Thunder Bay. On a passé une journée assez exceptionnelle, je dirais. Ça a commencé par une petite déception avec le mont Godfrey. On était, comme je vous avais dit tantôt, on était supposé aller grimper là ce matin. Ça devait être une super belle vue sur le lac supérieur, tout ça. Puis on a passé 2 heures à chercher la trail qui allait nous emmener à la voie qu'on pouvait faire en moulinette. Puis on l'a jamais trouvée, fait que c'était un peu décevant. Mais finalement, on s'est ramassé à une autre trail qui s'appelait The Bluff. Puis c'était à peu près 8 mètres d'hauteur, fait que c'était pas non plus foufou, mais ça nous a permis de quand même grimper puis de faire de quoi en après-midi, fait que c'était assez sympa. Puis après on a fini la fin d'après-midi dans un café pour se poser puis relaxer puis travailler sur ce qu'on avait à travailler via nos ordinateurs. Puis là on est en route pour le Manitoba, fait que c'est ici que notre épisode se finit pour l'Ontario. Je dois vous avouer que ce fut un 7 jours juste magnifique. Les paysages étaient juste incroyables. La route qui traverse tous les lacs de l'Ontario, qui est la transcanadienne, mais il y a d'autres routes aussi, comme la route 17 et je ne me rappelle plus les autres numéros, mais c'était incroyable. Les paysages étaient magnifiques. Chaque tournant qu'on faisait, c'était fou. On voyait des lacs au loin. Le lac supérieur a été de loin le plus impressionnant de tout ce qu'on a vu. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est la clarté de tous les lacs, tous à peu près turquoise, très clair, on voyait à travers, c'était beau, c'était vraiment incroyable. Fait qu'on a vraiment eu un gros coup de cœur pour la province. On a beaucoup aimé Tobermory aussi, qui était un petit village maritime. On a aimé Honey Harbour, on a aimé, on a principalement aimé tout ce qu'on a fait. Fait qu'il n'y a pas de petite déception. Sauf si Thunder Bay, on s'attendait à comme grosse ville de l'ouest ontarien. Qui a plein de choses à faire, plein de trucs à voir. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était une ville qui était assez pauvre, qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les autochtones, qu'il y avait beaucoup de racisme par rapport à ça. Fait qu'on a été très surpris, un petit peu déçus, honnêtement. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit quartier un peu riche avec toutes les personnes, les blancs en fait, on va appeler un chat. Puis le reste, c'était que les autochtones, des gens très pauvres qui vivaient dans la rue. Ça faisait vraiment de la peine à voir. C'est la seule petite déception qu'on a eue par rapport à ça, c'est que malheureusement, Thunder Bay, c'est pas la place où il faut vraiment aller pour visiter. Mais bon, il va y avoir d'autres villes qu'on va pouvoir voir, puis avec lesquelles on va pouvoir triper. Donc sur ce, c'est ça, l'épisode est fini. J'espère que vous avez aimé les aventures que vous avez suivies avec nous et le van Arnold. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me poser vos questions si ça me fait plaisir d'y répondre, puis vous donner des petites astuces, des petits conseils sur comment voyager en Ontario. Puis
puis je vais vous mettre en description dans un article qui viendra prochainement tout ce qu'on a vécu, le coût, l'itinéraire, tout ça va sortir bientôt. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis, on se rejoint à Manitoba.